Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Tracim. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser ces données dans des dossiers avec Tracim. Le but va être de créer un dossier où on pourra seulement importer des fichiers à l'intérieur. Donc une fois que vous êtes connecté à Tracim, allez dans le tableau de bord de votre espace partagé. Pour ajouter un dossier, vous cliquez sur l'icône Créer un dossier, vous lui donnez un nom, donc nous on va l'appeler Photo. Ensuite, vous validez. A partir de là, vous allez arriver sur la page Tous les contenus. Pour accéder aux paramètres de votre dossier, vous cliquez sur 3 petits points puis Modifier. Vous pouvez maintenant choisir quel type de contenu est autorisé dans votre dossier. Donc nous, pour l'exemple, on veut seulement des fichiers, donc on va décocher les autres types de contenus. De là, vous pouvez aussi changer le nom de votre dossier si vous le désirez. Toutes les modifications au niveau des contenus autorisés sont immédiatement prises en compte, donc on peut fermer l'application. A partir de maintenant, lorsqu'on va aller sur Créer dans ce dossier, la seule action disponible sera d'importer un fichier. Dans l'écran Tous les contenus, il est aussi possible de créer un dossier en cliquant sur le bouton Créer, Créer un dossier. Voilà, vous savez désormais organiser vos données dans les dossiers Tracim. Attention toutefois à ne pas trop structurer en dossier. Trop de dossiers compliquent l'exploration et rendent difficile la recherche d'informations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel Tracim. Bonne journée à vous.